Fait que là, on est de retour après des burns, puis ça, ça va être la capsule plate. Hein? Bonjour. Bonjour François. Bonjour Danny. Bonjour l'auditoire qui écoutez qu'on parle, qu'on va vous parler. Bonjour toute la communauté internationale de l'Internet. Ouais, ça c'est grand ça. L'Internet, ça rejoint plein de monde ça. Ouais. Partout, c'est énorme. Ouais, je m'appelle Danny. Danny Gagné. C'est lui, je le sais. Je l'ai vu, j'ai déjà vu ses cartes. Il s'appelle vraiment Danny Gagné. C'est pas de menterie. J'ai grandi à Sherbrooke. Ouais. Je suis né à l'hôpital. Ouais. Toi, François, moi t'es né aussi. Où? Moi, je suis né pas à Sherbrooke comme Danny, mais à l'hôpital. Moi aussi, Danny, je suis né à l'hôpital. OK. Puis, Moi, ce que j'aime vraiment, là, de ce qu'on va vous parler, c'est qu'on va vous parler avec notre cœur. Oui. Parce que moi puis Danny, les deux, on est nés à l'hôpital. Là, on a des points en commun. Puis un de ces points en commun-là, moi puis Danny, puis plein d'autres mondes, c'est qu'on a des émotions. Oui, des émotions parce qu'on est des êtres humains. Répétez, oui. Êtres humains. Des oui. êtres humains. Oui. Puis nous autres, on a des émotions en dedans. Des émotions, ça, c'est ça arrive... mais tu peux pas les voir. Tu sais, mettons une blessure, quand tu te blesses la peau, ça coupe, il y a du sang, tu peux le voir. Mais quand tu as une blessure d'émotion, tu peux pas la voir, il faut que tu en parles à tes amis. C'est ça, c'est du sang de l'intérieur du cœur. Mettons que tu as un beau chat, que tu le flattes, puis c'est un gentil chat, puis tu lui donnes de la nourriture, de l'affection, puis là, il est doux. Un jour, il meurt, puis là, t'es triste. Ça, c'est une émotion de tristesse. T'es très sensible, François, pas comme certaines personnes dans la place qui comprennent pas c'est quoi les émotions. Les choses, non. C'est vrai. Une fois, un autre endroit, on a ressenti des émotions. Mettons, c'est dans un spectacle de Michel Rivard. Ah, c'est vrai. Oh, wow! Ça c'était... Hey, Michel Rivard, là, il ça, c'est comme... des émotions. Ça, Michel Rivard, c'est comme du yoga. C'est pareil. Quand tu vas voir du Michel Rivard, c'est comme du yoga, mais hein? C'est du yoga! Hey! Wow, Écoute, tu vas voir, c'est pas... C'est vrai. Quand tu vas voir Michel Rivard, tu prends plein de positions comme du yoga. La première, c'est tout le temps celle-là. Ça, c'est la position de base quand tu vas voir Michel Rivard. Ouais, c'est ça, t'es comme ça en premier. Ouais, t'aimes ça. Mais souvent mais tu... Ça dure longtemps. Là. Mais là, t'as mal au dos, puis là, faut faire attention au dos. Faut que tu te déplaces, mais là, tu y penses à ton dos, il fait mal. Mm. Je vais le redresser. Oui, c'est très important d'avoir un dos en santé. Ouais. Mais souvent, là, dans les shows de Michel Rivard, souvent, tu te remontes comme ça. Ça arrive même la variante là, de même. Ouais. Et comme ça. Oh, ouais. Ouais, j'étais. Mais qu'est-ce qui est très important quand tu vas voir un show de Michel Rivard, c'est d'amener ton cadran avec des batteries. C'est très important parce que sinon, tu peux te passer du drette puis te faire réveiller par le concierge. Non. Ça, c'est pas très bien, hein, François. Parce que ça donne du boulot à du monde qui ont d'autres choses à faire que réveiller du monde qui s'en va voir le concert de Michel Rivard. C'est vrai. Oui. C'est beau. Oui, nous hein? autres, on fait ça de la philosophie comme ça. C'est ça qui nous anime. Oui. C'est l'essence de toutes nos longueurs. Exactement. Quand c'est long... C'est que c'est bon. En dedans. Oui. Puis nous, on est bons, hein, François, ensemble. Ouais. C'est ça qu'on aimerait vous dire. Les gens qui ont écouté pendant que nous autres, on parlait pour vous autres. À bientôt, chaleureusement. Oui, et on pourrait... On pourrait se dire un petit mot de revoir parce que vous savez que l'amitié passe gros à travers la poignée de main.
Alors, il faut se donner la main comme du monde. Il y a plusieurs façons de se donner la main. On va vous montrer là, notre façon personnelle. Personnelle de se donner la main. On peut se donner la main comme ça. Mais ça, c'est vraiment à votre place. Ça, c'est comme. C'est plus officiel. C'est ça. Non, c'est pas. Mais disons. C'est comme ça. Ça, c'est trop traditionnel. Il faut que ça fasse du bruit. Mais moi, j'aime ça quand ça fait du bruit. Regarde-tu, là, il y a le puck. Le puck, c'est symbole de l'amitié. Mais des fois, il y a des claques. Clac, c'est moins beau que le puck. High five, chummy. Mais c'est pas... Quand on est frères... Ça, c'est un clac, chummy, quand même. Mais là, puck, on est amis et on s'aime. Oui. Une belle leçon de vie. Merci. Merci pour ton émission. Merci pour ton invitation. C'était bien de venir cogner comme ça dans vite tantôt. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. OK, t'as-tu 25 cents? Non, sorry. Il y a une coupe de vide là, qui vous a été lancée. Vous pouvez aller les vendre, les boys. La gang. Merci, tout le monde. Fait que là, on va avoir d'autres shows de boucan. Des shows de boucan, en fait.